Salut les amis, c'est Joseph, nouvelle vidéo, retour de la chemise, 24 000 euros par mois avec Sabotchi Commerce, il gagne plus de 24 000 euros par mois. Et si je vous disais que c'était rien 24 000 euros, parce que j'ai en stock pour vous 5 vendeurs qui cartonnent à l'heure actuelle, qui sont en train de tout flinguer sur le net. Ça va de 24 000 euros par mois, 27 000 euros par mois, 200 000 euros par mois, 450 000 euros par mois et 1,6 million par mois. Et je vais vous donner tous les amis, je vais vous donner leur boutique, leur produit winner, tout de A à Z, vous allez pouvoir, leur niche, vous aurez tout. Donc avant qu'on commence, vous savez qu'il y a toujours du lourd, mettez un gros like, abonnez-vous à la chaîne. Et bien évidemment, n'oubliez pas que si vous voulez télécharger cette liste des 5 vendeurs qui sont en train de tuer le net à l'heure actuelle, je vous ai mis un lien juste en dessous. Et vous allez tomber sur, comme d'habitude, le petit formulaire. Ici, vous pouvez télécharger gratuitement la liste des 5 vendeurs que je vais vous donner. Comme ça, vous aurez un support écrit, vous allez pouvoir les retrouver, aller analyser leur boutique et trouver donc leurs produits directement. Voilà, donc let's go, on attaque. Vous savez que j'aime pas trop les intros trop longues. Donc c'est parti, on va attaquer. Et le plus bas, c'est 24 000 euros. Voilà, on attaque. Donc le premier vendeur qui est en train de tout tuer sur le net, qui fait plus de 24 000 euros en 30 jours avec sa boutique, c'est Monsieur Rackplate King. Alors voilà, c'est un vendeur sur eBay UK. Et voilà, il a vendu plus de 2600 fois ce produit-là, hein, des plaques d'immatriculation au final, hein, que vous pouvez personnaliser, vous voyez. Donc j'ai pris son nom, je l'ai mis sur Zeek Analytics comme d'hab, parce que tout ce que je vous donne sont des chiffres prouvés et vérifiés d'eBay, hein. c'est pas du pipo, c'est des chiffres prouvés et vérifiés d'eBay. Donc je suis allé sur Zeek Analytics, j'ai pris son nom, je suis allé dans Competitor Research et j'ai mis son nom. Et vous voyez, il fait 27 311 $, ce qui fait à peu près 24 000 et quelques euros. Donc avec 38 annonces seulement, vous voyez, comme quoi, pas besoin d'avoir 1 milliard de produits pour faire beaucoup de ventes. Il a vendu 1488 produits en 30 jours, avec 38 annonces, et sur les 38, il y en a 29 qui sont vendues, il a un panier moyen de 18 $. Et voilà, donc en gros, il a un sell-through rate de quasiment 4000%, ça veut dire qu'il a fait 4000 fois plus de ventes que les produits qu'il a en ligne, ou que le nombre de produits qu'il a en ligne. Et ce qu'il fait, en fait, il est spécialisé dans la vente de plaques d'immatriculation personnalisées, etc. Donc vous voyez, c'est ce qu'il vend. Là, on a la liste de ses produits, c'est ce qu'il vend au maximum, c'est ce qu'il vend à fond. Donc Big up, c'est une très bonne niche. Ceux qui ne connaissaient pas, c'est une très bonne niche. Vous pouvez aller checker ça directement. Vous avez le lien de toute façon en dessous pour aller voir tout ce qu'il fait. Donc c'est un vendeur sur eBay. Il a 99,8% d'évaluation positive. Il a plus de 19 644 annonces. Si vous descendez sur eBay, vous pouvez aller voir directement ses coordonnées, sa société, son nom de domaine, son email, son numéro de téléphone, vous avez toutes ses coordonnées. Si vous voulez faire, pourquoi pas travailler avec lui et vous servir de son buzz pour pouvoir faire du cash, pourquoi pas aussi. Le but, c'est pourquoi je vous montre ça, c'est que vous allez grappiller une partie de son business. Vous savez qu'il fait 27, si vous arrivez à vous lancer sur la même niche, peut-être que vous allez réussir à faire quelques milliers d'euros net dans la poche. Et en plus de ça, j'ai tapé le... Bon, alors moi, je suis un espion, j'ai tapé le nom de sa société sur le net. Je suis allé sur le site du gouvernement UK. Voilà, je suis allé sur le site du gouvernement UK. Et ce que j'ai fait, j'ai retrouvé son nom. Je sais qui c'est, qui le directeur, son adresse. J'ai tout. Bon, vous avez tout de toute façon sur eBay en bas. Donc faites-vous plaisir pour aller vraiment nicher, fouiner et trouver toutes les informations sur des business qui cartonnent. Donc eBay, c'est une des meilleures plateformes pour ça. On arrive donc au deuxième vendeur. Et là, c'est le deuxième vendeur qui cartonne. Il a plus de 27 400 euros de chiffre d'affaires en 30 jours. Et on parle de Mr. AVG Essentials. Voilà, AVG Essentials. Donc il a plus de 8 983 annonces évaluation. 99,4. Donc c'est un bon vendeur. Il est là depuis déjà, à mon avis, pas mal de temps. Il vend, alors lui, il vend tout ce qui est essentiel, d'où le nom, Essential. Donc on va prendre son nom. Vous voyez, on prend son nom. Et on va le mettre sur Zeek Analytics, voilà, dans la catégorie Competitor Research. C'est un logiciel espion Zeek Analytics qui vous permet d'avoir tous les chiffres, voilà. Et là, il nous donne, ben voilà, il a fait plus de 30 000 $, ce qui fait à peu près, c'est ça ce que je vous ai dit, du 27 000 € de chiffre d'affaires. Lui, il a 191 annonces sur sa boutique, il a fait plus de 1872 ventes avec un panier moyen de 16 $, ce qui fait à peu près 14 €. Et il a vendu sur les 191 annonces 34. Sur les 191, c'est pas énorme, mais bon, il a fait quand même presque 1900 ventes. Il a donc un sell-through rate de quasiment 1000%. Et vous voyez les produits qu'il vend. Alors lui, il vend beaucoup de produits essentiels, vous voyez, papier toilette, sopalin, papier toilette. Lui, il est vraiment basé sur de l'essentiel. Il a ça aussi, un nettoyant pour la salle de bain et la cuisine.
un spray, des sprays. Donc ils se veulent focaliser tout ce qui est maison, hygiène, voilà, hygiène, santé, tout ça, quoi. Et c'est une niche qui marche bien, hein, au final, qui marche très bien, vous voyez, hein, en chiffres, il se débrouille pas mal. Il en a vendu plus de 4492. Alors vous pouvez cliquer sur ça, le nom de sa boutique aussi. Vous pouvez cliquer sur le nom de sa boutique et aller piocher et voir ce qu'il fait en fait. Aussi, si voilà, vous avez les best-sellers, donc eBay vous donne ses best-sellers, donc vous savez que c'est des produits qui cartonnent et vous regardez un petit peu ce qu'ils vendent pour aller creuser, cliquer sur sa boutique et aller voir. Donc ça vous donne des idées. Le but quand je vous donne ça, c'est que ça vous donne des idées de ce qui marche bien, des produits qui cartonnent, de ce qui se vend. Vous voyez là, il a vendu plus de 37 000 produits au total. Il a plus de 1500 followers. Donc voilà, c'est des gens qui pèsent, qui font de la thune et qui méritent de s'inspirer, de pas d'être copié, bon, d'espionner, oui, allez, mais pas copié forcément. Mais on va dire que voilà, c'est des gens qui ont fait leurs preuves, qui ont de bons chiffres, ils font de la thune. Il y a des chiffres prouvés. Vous avez juste à venir grappiller une partie de leur marché. Donc voilà, ça c'était le deuxième. On arrive au troisième, et le troisième, lui, il est à plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires. Alors là, on monte très vite dans les tours, hein. Donc le troisième, 202 000 euros de chiffre d'affaires. Et c'est ThinkPrice. Alors certains doivent le connaître peut-être. ThinkPrice, pardon, moi je partage l'écran. ThinkPrice. Alors ThinkPrice, je vais le mettre sur Zeek Analytics encore une fois. On va analyser. Et on va sortir tous ces chiffres. 221 000 dollars, ce qui fait à peu près plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires. Lui, il a une grosse boutique, hein, avec 2259 produits en ligne. Il a fait plus de 26 000 ventes. Mais voilà, il a un panier moyen de 9 dollars quasiment, ce qui fait quoi? 7 euros, 7,50 euros. Et voilà, il a 2,2 millions d'évaluations. Lui, il est là depuis très très longtemps. Et il vend un peu de tout. Hein. Il vend pas que. Alors là, vous avez vu son produit phare, c'était là, c'est des embouts là pour les tournevis, etc. Il vend pas que ça, bien évidemment. Il vend pas mal d'autres choses. Et sur Zeek Analytics, vous avez la liste. Il vend des pinceaux, des brosses, du papier toilette, des câbles. Il vend un peu de tout en fait. Vraiment, il fait du généraliste, on va dire. Il n'est pas vraiment niché. Il vend un peu des trucs pour l'automobile, des accessoires automobiles, des trucs pour la maison, des trucs pour la santé, un siège de toilette. Ça va, c'est un peu au hasard. Il vend un peu de tout, quoi. Il fait du généraliste, comme quoi le généraliste fonctionne très bien sur les marketplaces. Il a bon 6600 ventes sur ce produit-là et il pèse. Il pèse, je vous garantis qu'il pèse. Vous pouvez descendre, aller voir sa description, ses produits, etc. Et même sa société Vivo Technologies LTD. Elle est basée où? Vous avez son numéro de TVA, vous pouvez aller tout voir, vous pouvez même le retrouver sur le net si vous voulez. Vous pouvez même trouver sur le site, un peu comme société.com mais au UK, le site du gouvernement, vous pouvez trouver sa société, qui c'est, son nom, le directeur, etc. Bon bref, on peut aller loin après, hein, si vous voulez vraiment analyser les business des gens. Mais le plus important, moi ce que je prends, c'est les produits winners, sa boutique, ses niches, les tarifs s'ils sont excellents, s'ils sont très bons. Le but, ça serait de les utiliser peut-être comme fournisseurs, parce que eBay UK ils ont de très bons fournisseurs, et derrière, essayer de revendre ça plus cher et prendre une part du marché, parce qu'il fait quand même 200 000 balles. Alors le but, vous n'allez pas faire 200 000 balles, parce que c'est son business à lui, il l'a depuis longtemps, il le monte depuis longtemps ce business. Mais si vous arrivez à grappiller même 10%, 15% de ce prix-là, ça serait déjà énorme, énorme les amis. Ah, j'ai la voix cassée un peu, la Camaro, je vous l'avais déjà dit, le garou de YouTube, quoi. Bon, et voilà, donc ça c'était le troisième. eBay pèse bien, 200 000 balles de chiffre d'affaires sur eBay UK, donc avec sa boutique en ligne sur eBay. On ne compte pas leur site, on ne compte pas ce qu'ils ont à côté. Peut-être qu'ils ont une boutique physique, peut-être qu'ils ont un site, peut-être qu'ils vendent sur Amazon aussi. En tout cas, là on se base que sur eBay, rien qu'avec leur boutique e-commerce, bah, sur eBay, quoi. Voilà. On arrive du coup au quatrième gros vendeur qui pèse pas mal. Alors lui, il fait 450 000 euros, les amis. 450 000 euros de chiffre d'affaires en 30 jours. Là, on va à un niveau au-dessus, mais vraiment, vraiment au-dessus. Et on a bifurqué sur l'eBay-Allemagne. Et là, je parle de Paligo. Alors Paligo, c'est qui Paligo? Ben, c'est un vendeur sur eBay-Allemagne. Vous voyez? Je tape sur Zeek Analytics son nom pour avoir tous ses chiffres et toute sa boutique. Et voilà, donc c'est un Allemand, un vendeur allemand, il a fait 500 000 dollars de chiffre d'affaires, donc en euros ça fait du 457 à peu près, j'ai fait la conversion tout à l'heure, de 450 000 euros de chiffre d'affaires en 30 jours. Alors n'oubliez pas que c'est le chiffre d'affaires, bien évidemment, oui. Après il faut compter, je pense, pour ça c'est des gens qui ont du stock, pour qu'ils comptent 30-40% de bénéfice net dans leur poche. Voilà, 30%, donc prenez 30, bah 30% de 500 000 euros, c'est quand même pas mal, je veux dire, c'est quand même pas mal du tout, on peut faire la calculatrice, on prend 500 000 dollars, on multiplie
par 0,3, ça fait 30. Bah, il se prend 150 000 euros. Allez, même après tout. Après, même s'il prend 100 000 euros par mois, on va dire qu'il est pas malheureux, le mec. Même le premier qui faisait 24 000, même s'il prend 30% net dans la poche après, ça, il fait quand même du 7 200 euros net par mois dans la poche. Donc bon, on va pas se plaindre. C'est d'accord, c'est le chiffre d'affaires. Mais bon, en net, c'est très très bien, quoi. On aimerait tous avoir faire des chiffres comme ça. Donc, voilà. Donc lui, il a 288 produits en ligne. Oui, il n'en a pas des milliards. Il a fait 2662 ventes sur les 30 derniers jours. Je spécifie bien que les chiffres que je vous montre, c'est les 30 derniers jours. C'est écrit en haut à droite, les résultats sur 30 jours. Il a un panier moyen de 188 balles. Alors voilà, lui, il fait du. Bon, c'est pas vraiment du high ticket, mais du middle ticket, on va dire. Il vend des produits bien plus chers et c'est ce que je préfère. Donc voilà, avec 288 annonces, il arrive quand même à faire du 500K, quoi. C'est énorme. Et qu'est-ce qu'il vend? Alors lui, il est plus dans tout ce qui est bricolage, etc. Il vend du bois, si je comprends bien. Il vend pas mal de choses. Bon, on va voir ensemble. Voilà. Il a vraiment sa niche à lui. Mais je vais vous traduire la page. Tac. Je fais la petite traduction. Voilà. Traduire cette page. Translate. Allez, traduis-moi la page, arrête de me faire chier. Voilà. Wood pellets in sacks. Voilà, ils vendent des morceaux de bois en sac, comme ça, des petits morceaux de bois. Vous savez, des copeaux. Pas des copeaux. Vous avez compris, c'est ça, quoi. Voilà, c'est des petits morceaux de bois, tout petits morceaux de bois, comme ça, en sac. Là, c'est un sac de. Là, il vend 65 sacs de 15 kilos. Ça fait 975 kilos au total. Pour 459 balles, ça me paraît plutôt raisonnable pour quasiment une tonne de. Une pallette d'une tonne, quoi. Voilà, donc il a 17 152 évaluations. Il est là depuis longtemps. Il a 99% d'évaluations positives. Vous pouvez même avoir un petit coupon si vous achetez chez lui. Vous utilisez le code qui est ici, la Power IB10, et vous avez 46 euros de réduction valable jusqu'au 16 juin, c'est pas mal. Et voilà, vous descendez et vous pouvez voir un peu sa boutique, vous pouvez aller voir ses coordonnées en bas, son numéro de téléphone. Vous pouvez aller même sur palibogo.com et aller voir son site. Qui sait? Voilà, vous pouvez faire votre propre enquête et aller voir un petit peu ce qu'il fait. En tout cas, c'est une bonne niche, c'est une bonne idée. Alors, on n'y a pas forcément pensé de vendre des copeaux ou des morceaux de petits morceaux de bois comme ça, hein. Mais en tout cas, ça cartonne. Voilà, ça cartonne. Donc c'est une niche qui marche très très bien. Et bon, et qui rapporte très très bien, quoi. Vous pouvez voir, donc vous pouvez aller même voir sur Zeek Analytics tous ces produits. Ou si vous n'avez pas Zeek Analytics, vous avez juste à cliquer sur son nom, Paligo, là, sur la souris B, et aller voir tout ce qui se trame sur sa boutique, tout ce qu'il vend. Il a vendu plus de 77 000 produits. Mais non, 70, à mon avis, c'est. Ouais, 77 000 produits. Et voilà. Et voilà. Donc, voilà. Et on passe du coup au dernier vendeur. Donc, si vous ne voulez pas, si vous voulez télécharger la liste, je vous ai mis un lien juste en dessous. Vous avez la liste là, que vous pouvez télécharger avec. Vous mettez votre mail et votre prénom, c'est gratuit. Vous remplissez ça, vous cliquez sur le bouton orange et vous aurez accès directement à la liste. Vous aurez le lien de leur boutique pour aller voir leurs produits, pour aller tout voir de A à Z. Je vous ai tout mis sur la liste. Et là, on arrive au dernier. Le dernier qui fait 1 600 000 euros de chiffre d'affaires en 30 jours. Là, on est vraiment au niveau encore plus au-dessus. C'est trois fois plus que ce que je viens de vous montrer. C'est incroyable. Et ce monsieur s'appelle. Machine Welt, voilà, donc c'est le monde de la machine, hein. En allemand Welt ça veut dire monde, machine, bon, mais c'est un mot transparent. Donc Machine Welt, je le mets pareil sur Zeek Analytics pour voir un peu les chiffres, comme ça je vous prouve que ce que je dis c'est pas du pipeau, quoi. C'est Zeek Analytics qui en prend. Zeek Analytics analyse les données d'eBay et vous donne les chiffres. Voilà, 1 800 000, quand vous le mettez en euros, ça fait du 1 600 000. Donc il a 9 207 produits en ligne sur sa boutique. Il a fait 14 800 ventes avec un panier moyen de 123 dollars. Donc c'est pas mal. Il a 632 avis, 632 000 avis sur sa boutique. Et lui, voilà, il vend quoi? Il vend des cannes, des jerrycans d'essence, si j'ai bien compris. Voilà. Il vend du Bosch, des perceuses Bosch. Il vend du bricolage à des niveaux, des kits, des outils, de l'outillage, du bricolage, outillage, bricolage, une pompe aussi. Voilà. Vous voyez, c'est beaucoup de bricolage, aspirateur, machin, bon bref. C'est du bricolage en général, vous avez compris. Le bricolage, je vous l'ai dit, sur le marché allemand, je le répète depuis longtemps, le bricolage sur le marché allemand fonctionne énormément. Et c'est la preuve ultime, là, il fait 1 600 000 euros de chiffre d'affaires en 30 jours. Si on se fait le petit calcul pour rigoler, voilà. Même s'il prend la 1 600 000, même s'il prend les 25%,
C'est du 400 000 euros net dans la poche. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, c'est très, très beau. C'est très, très beau. C'est un très beau business qui marche. Le but, c'est que je vous montre des business qui fonctionnent. Comme ça, vous pouvez les dupliquer, vous en inspirer, gagner votre argent vous-même derrière. Donc, voilà. Vous pouvez cliquer sur sa boutique et voir un peu ce qu'il vend. Là, bon, ben. Là, c'est une perceuse Bosch que j'ai pris. Il a fait plus de 20, il a vendu plus de 23 400 fois. Alors, neuf peut-être Bosch que vous n'aurez pas l'autorisation de le vendre, mais vous pouvez très bien le vendre. Vendre du Bosch en reconditionné aussi. Voilà. Et vous descendez, vous allez voir sa description, les caractéristiques, tout ça, pour aller voir ses coordonnées tout en bas. Et sûrement aller voir son site ou tout ce qu'il y a. Voilà. Voilà, Eiffeld, vous avez son numéro de fax, son numéro de téléphone, vous avez tout. Ils sont obligés de divulguer ça sur le net parce que c'est la loi, quoi. Donc voilà un petit peu les 5 vendeurs, les amis. Vous avez vraiment de quoi faire. On est parti de 24 000 euros à 1,6 million. Donc vous avez 5 gros vendeurs qui cartonnent. Maintenant, le but, c'est que vous allez retrouver leur boutique, aller voir leur produit winner. Vous avez leur niche, leur produit winner, vous avez leur boutique, vous avez tout. Et vous n'avez plus qu'à vous lancer. Vous pouvez vous lancer sur eBay France, sur eBay Allemagne, sur eBay UK. Bien évidemment, le UK, l'Allemagne et les États-Unis sont des marchés beaucoup plus dynamiques que le marché français. Puis après, vous pouvez essayer de dupliquer leur niche sur Shopify pour la dupliquer. Sur Etsy, vous pouvez les dupliquer peut-être sur Vinted, vous pouvez les dupliquer sur Amazon. Après, c'est à vous d'être créatif, lancez-vous. Vous avez en dessous le lien pour télécharger la liste des 5 vendeurs. Sinon, vous pouvez voir mon catalogue de formation si vous voulez vous former sur n'importe quel de ces marketplaces ou business-là. J'ai une formation sur tout, que ce soit sur eBay, Amazon, Etsy, Vinted, Shopify. J'ai une formation sur tout parce que c'est des domaines que je maîtrise. Donc, lancez-vous. Si ce type de vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Mettez un gros like, abonnez-vous à la chaîne. Merci, ça ferait plaisir. Vous avez le petit lien en dessous pour aller télécharger la liste, n'oubliez pas. Et moi, bah, je pense que je vais vous dire à la prochaine vidéo, les amis. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.